coupe et je relance la vidéo. Oui, mais t'avais dit à 19h, faut qu'on ait fini. Oui, mais parce que c'était un challenge, mais bon, c'est faisable. Mais après, il reste de la quête qu'on va finir. Ah, allez, tu veux finir la quête avant et tout. On aurait pu juste finir le donjon. Hein. Le boss. Mais non, on finit la quête. On va peut-être mettre le mode reste pour... Parce que qui dit quête dit PNJ dit... texte à lire. Eh oui. Du coup, c'est Oiki qui, c'est Vivi qui commence. Je dis Oiki parce qu'il y a Oiki qui me parle. Toujours. Ouais. Ben du coup, je me mets où? Je me mets là. Ça me fait plaisir. Faire mystique. Non mais on y va. On bourrine bien comme il faut. À l'arrache. Tant que la mama le reconce pas, ce qui est assez énervant. C'est pour ça qu'il faut taper le plus vite possible un peu, histoire que la mama claque sa reconce. Bah regarde, je tape. Boum. Les zones. Je me picole parce que ça va me venir dessus sinon. Oh là, le sacrifice du cyborg. Peut-être que ça ira, je sais pas. Il a sacrifié le worker et la mama. Donc là, je rappelle pourquoi on fait tout ça. Hein, pourquoi on a drop sur des boers, pourquoi là on tape le worker, etc. Nous, on dropons des objets de quête fabuleux pour pouvoir craft une pierre d'âme qui nous servira à capturer Ombre et un petit peu le néant, si j'ai bien suivi l'histoire. Et entre temps, il va falloir passer par un worker, un Nouga. Quoi d'autre? Non mais là, restons-en à la première étape. Il y aura un truc que je te refuse le worker. Non, ça sert à rien, on peut le porter et le jeter. Ok. Poule bourrin, un truc que la mama peut reconce. Non, de toute façon, elle a pas les pommes. Oh là là, ça fait des duos ombre. C'est du premier. Ouais, enfin en même temps, duo premier en général, oui. Bien sûr. Oui. Enfin, nous on avait fait premier collant. Oui, mais quand on a fait le duo, en fait, on avait fait premier aussi. Oui, mais le truc, c'est que vu qu'on l'avait déjà fait, au final, on l'a pas fait. C'est ce que je veux dire ou tu vois pas? Profite des zones. Ouais, t'aurais pu l'envoyer vers moi pour le mettre dans le mur direct. Oui, mais eh bien non, j'ai choisi une option différente. Le corse l'a fait. Hein. Aïe. Ouille. Hé hey. Oh. Ça va pas du tout, ça. Hein. Je mettais picole, normalement, c'est parce qu'il pouvait taper que moi. J'en suis sûre. En fait, ça me dérange plus qu'autre chose que t'as fait. Ah. Bien. Je suis obligé de faire ça alors que je voulais faire double. Je voulais faire double spingle sur le worker. Aïe. Allez, hop, ça c'est fait. Aïe. Et c'est midlife que nous retrouvons Maïa pour son tour de jeu. Bah Nao, tu jetteras là. Ok. Et moi je le tuerai donc Maï, tu peux aller sur autre chose. Ah, sauf qu'il est encore. Il est sacrifié par le cyborg. Non, mais il sera plus sacrifié à son tour. Si t'inquiète, tu fais deux épées. Oh, oui. Il irait, je pense. Voilà. Nickel. Bah là, Nao, tu le vulnais, tu le places au cac de ma bombe et moi je le tue. Ok. Je vais faire ça. Bah, c'est pas à moi de jouer. Alors, du coup, je ne peux pas. Vivi, éloigne-toi des bombes. Enfin, là, t'es. Ouais, non, éloigne-toi. J'en reviens vers nous, voilà. Nickel. Hop, la petite vulnée. On va prendre la bestiole. La bestiole. Je la pose ici. Ouais. Je fais une flasque là. Parce que ça m'amuse. Et voilà. Et je me repicole. Et c'est parti, on attend le pétage de bombe. Oh. Oh la tristesse. Ouais. Mais c'est là c'est bon ça. Parce qu'il a pas son sort de Rox. Ouais. Donc ben on est déçu quand même. Mais moi aussi, figure-toi. Parce que du coup c'est beaucoup moins impressionnant s'il survit à ça. Putain j'ai. Oh what? Mais moi qui dis il avait fini. Normalement c'est pas tous les deux tours qu'il lance croûtage. C'est correction work, c'est pas croûtage. Croûtage il te l'a fait, ça tape que 500, hein, c'est rien. J'ai failli le tuer avec le dos. Mais c'est pas parce qu'il a fait le tour d'avant son sort qui fait du moins 2000 sur Mae. Je pensais pas qu'il allait le refaire là, d'habitude.
c'est chaud. Rarement signe. J'ai oublié comment on se faisait le worker. Où je m'emmêle les pinceaux. Tu t'emmêles les pinceaux. Nice. Nice. Par contre... Putain, je suis deck, j'ai tapé que ça. Elle va... Après, bon. je suis en stuff res, donc un peu drôle. Et il ne reste plus que la Mama Work. On peut faire mystique, hein, en vrai. Du coup, ouais, on est là. On a déjà fait le premier, en fait. Du coup, balance-moi, sinon, pas trop tard. Non, mais j'avais pensé à autre chose. Mais du coup, c'est vrai que te balancer aurait été beaucoup plus simple. Ouais, surtout que là, il aura pas les PM, du coup. Non, il m'en manque. Non, mais moi, je vais m'entrer et tu pourras. Pas lui donner ses... Non mais c'est bon. Merde. T'inquiète. Il a un sort en fonction de sa vie, un sort en fonction de sa vie manquante. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que du coup le laisser à 300 points de vie, c'était pas ouf. Là tu peux. Ouais. Hop. Bon bah GG. Et voilà. Coco. Faire gaffe. Ouais. Faut faire gaffe s'il faut pas parler au boss, mais je pense pas. Ah, oh, ça doit être ça, le jeton prismatique du worker, waouh. Ouais, non, il faut pas parler. C'est beau, hein, c'est multicolore. Pas parler ni rien. Non. Alors ensuite... il faut aller rendre à Automai, je pense. Non, vous avez acheté il faut aller voir Crowjean Vondon pour lui donner le jeton. Ah oui, il est dans la... En moins 12, moins 41. Il est dans la foire. Ah bon? Oui, la foire du troll. On a un prisme, faut voir du troll ou pas. Sortons d'ici. GPL des nous, mais regardez-le là. Alors, moins 13, moins 28. Tu y es déjà, c'est ça? C'est pour savoir si je peux me TP ou pas. Non, pas encore. Bon, bah on y va à pattes alors. C'est bien ça au moins? Que je clique. Ah ouais, c'est bien ça. Bon bah ok, go. Go. Non, c'est plus long qu'avant pour y aller, parce que faut faire le tour des mais montagnes. Mais y'a pas de zap très proche en fait de cette zone à chaque fois, c'est la zone... C'est massif de cagnotte plus proche. Ouais, c'est ce que j'ai pris. C'est le zap du Coliseum au final. Mais bon, ça fait marcher quoi. Moi je prends pas le zap du Coliseum, je prends le zap plein de rocheuses. Quand on est un peu fainéant comme moi, bah c'est chiant. Salut Infernalite. On monte. Toujours plus haut. Ça agresse pas, on peut y aller. Non, y'a que si tu vois des trolls. Attends, ça agresse. Par ici, le chemin, l'entrée, par là, pam. Voilà. Bon, au final, tu y es avant moi, j'ai pris une mauvaise app. Et du coup, tu vas te TP sur moi. C'est exact. Tu sais que je t'ai offert récemment un cram-cram. Oui, oh c'est vrai. Oh, je vais le mettre. Parce que je le trouvais magnifique avec mes couleurs. Il m'avait prêté le cram-cram pour faire un donjon père fouettard. C'est ça. Et à ce jour, bah, j'en ai réclamé un après, du coup. Normal. Enfin, tu l'as réclamé, tu l'as eu une demi-heure après. Il est tellement joli. Ça va. J'ai du mal avec Kanya, esthétiquement parlant, maintenant. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Avant, c'était vide. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec Sidimoth, du coup. Parce que clairement, Sidimoth, dans le genre néant... Justement, le néant, on en parlait. Allez, on lui donne le jeton à lui. Montrez le jeton prismatique. Je n'ai encore jamais vu ce type de jeton. Zut, c'est coincé. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne suis pas bricoleur pour deux sous. Oh, bon, bricole en moins 10-40. Il faut trouver un bricoleur. Moins 10-40, donc tu vas deux maps à droite et tu descends d'une. Un bricoleur. Le jaune pipi, je veux dire. J'aime pas trop, ça fait triste. Où est-ce qu'il y a du jaune pipi sur Kanya? Ça, c'est du jaune pipi pour toi. Genre, non, l'herbe, elle est un petit peu... bon, elle est pas verte-verte, elle est plutôt... Hop, il faut jouer au jeu. Boum. Tu sens que le soleil tape, tu vois, mais bon. Ding. Mais je l'ai pas fait sonner ou... Elle cassait, moi, pouvoir réparer quand on va finir test pour vérifier que Mayoche, bien marché. Pourquoi ça marche pas? Tape fort pour faire sonner cloche, c'est difficile car moi, pas assez costaud. Ah, c'est là qu'il faut la force. Trop tard, mais ça va... peut-être pas suffire, toi essayez.
C'est là qu'il faut 600 de force. Ah oui, il faut de la force. Moi, je... moi c'est bon normalement. Bah, moi j'ai ding pas. J'attends le résultat. Ça fait pas de dong. Non, ça doit être la sonnette. Mais what the fuck. Tu veux que je le prête mon stuff? Non, faire sonner la cloche de la maillotche. Mais attends, attends, je check, mais. J'ai pas 600 de force. Je sais même pas si j'ai 600. Quel est ce. Si je les ai. Ah, j'ai 535. Non, mais attends, attendez. Attendez, je vous passe des. Je n'ai pas le Dolman Axe. Ah bah non, bah de toute façon, je n'ai pas. J'ai un enragé si vous voulez. Je suis con, sur je moi. N'ai pas le Dolman Axe. Bah non. Oh, j'ai pas assez de force. J'ai combien? J'ai 6. Ah non, 572, merde. Attends, j'ai un anneau glour. Ouais, moi il me faut un anneau ou oh ouais, j'ai un enragé si ça vous voulez. Ça donne de la chance et de la vie, Nao, ça un va pas anneau, du tout là. Un anneau ou une amu si t'as, je veux bien. Je vais te piller passer le glours. Y'a rien qui donne de la force hein. Je te passerai après mon stuff s'il faut. Je veux bien parce que. Ben j'ai rien en fait. Si, il a 39, mais c'est pas suffisant. Impossible d'échanger avec ce joueur, échange avec moi Flo. Ah 574. Oui, 574. Désolé. En cap. Non mais je te file, t'inquiète. Tiens. Ta cape donne pas de force, on est d'accord, je te filerai un voile d'encre. C'est bon, on dépasse les 600. C'est bon. Ding. Ça n'a pas fait donc, mais c'est validé, la dernière pierre, oh là. Bah... Qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, mais mon Stéphane. Je sais pas moi. Moi je veux du vert, hein, les gars. Pour moi l'herbe elle est verte. Hein. Ah mais c'est parce que j'ai mon Aerosblanc, du coup le trophée sont rouges, les violettes sont bleues. Voilà, je te rends ton anneau. Nice. Ensuite, allez voir... C'est lui. Goubricole. Non. Attends, non, c'est le... C'est celui qui est là. C'est le BNJ, oui, il est juste là, voilà. Voilà, ton maillot, il fonctionne. Ça trop bien. Moi, allez réparer truc, Borker, maintenant, toi, retrouve-moi à côté de la machine. Bon, allez, on y retourne, voilà, prof. Moi, mettre mon cram-cram pour avancer. Nao, t'es niveau commis, hein, 200. J'ai besoin d'aide, les petits potes. Je planche depuis deux jours sur un stuff crafeux, R, oh là là. D'office book, hein. Moi, je ne vois que ça. Non, mais peut-être... Peut-être que dans le chat, des gens vont t'aider. 200 avec un gélano. Ha ha. On ne rigole pas de la pauvreté des gens, ok. En attendant, elle a plus de points de succès que certains... Demandez si vous pouvez l'aider d'une quelconque façon. Okay. Plus opti. Moi, trifouiller en train de machine pour décoincer rouage. Toi, tenir levier pour pas que lui tombe. Ou toi, mettre doigt dans trou de nez pour éviter fuite. Et là, c'est bon, on a l'artefact et du coup... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut aller voir. On tient le levier. Nice. Tenez le levier, c'est important. Machine vibrée, elle contente. Waouh. Moi, espérez pas mourir asphyxié par vieille huile rance. Ah, moi, voir un jeton coincé. Waouh, vraiment trop fort. Toi, entendre des clics, ça, bon signe. Voilà, machine réparée. Cool. La machine est réparée. Ouais. En effet, elle fonctionne de nouveau. Voilà votre lot. Oh, j'ai eu un artefact élémental prismatique, tout ça pour ça. C'est où qu'on peut crafter? Ah non, c'est dans la celle de derrière, là. Il est méchant, l'homme qui parle avec toi. Il agresse ceux qui n'ont pas beaucoup de points de succès. Ah, les succès, c'est la vie, c'est normal. Alors, il faut tout ramener à Otomaï. Ouais. Enfin, nous avons toutes les ressources à notre disposition. Et ça, pouvoir aller dans son havresac ou prendre une potion rappel alors qu'on est en plein milieu de la foire du troll, ça, c'est best mage ever. Ok. Je rigole même pas. Bah c'est bon, moi je... Nouvelle quête, les coups... Tu sais que t'as le prisme village de la canopée, il est juste devant en fait. Ah! Bah tant pis, je suis dans mon tronc. C'est bien aussi. Ouais. Nouvelle quête, les coups du sort. Nice. Alors? Alors c'est pas un gélano PAPM en plus, hein. C'est non, parce que t'as pas besoin, donc... C'est un gélano PAVITA. Voilà. On va aller à Pandala, tranquillement. Et nous parlons à Otomaï. Bonjour monsieur. Voilà. Bien, je vois que tu es motivé. As-tu réussi à réunir tous les composants nécessaires pour la création de la pierre élémentale? Oui. Bien que j'ai les compétences requises, il est indispensable que ce soit toi qui fabrique la pierre. As-tu des talents de mineur suffisants pour créer les meilleures pierres à dames? Oui, parce que j'ai ex mon mineur level 40 aujourd'hui. Donc c'est parfait. C'est dans la petite salle derrière là qu'il faut. Je suis ravi d'entendre ça. Eh bien, il ne te reste plus qu'à te rendre dans mon atelier et à te servir de la meule enchantée qui s'y trouve. Allons-y! Go!
Go. Oh, c'est là. Là. Waouh. Je l'ai. T'as tout perdu et t'as craft le truc. J'ai craft la pierre élémentale. Elle est belle, hein. On dirait une pierre normale, mais ne vous y fiez pas. C'est parfait, tu as accompli avec brio la première tâche que l'on attendait de toi. Il te faut maintenant apprendre le sortilège qui liera l'âme d'ombre à la pierre. Ah, je connais déjà le sort capture d'âme, monsieur. L'âme d'un être comme ombre est suffisamment forte pour ne pas être affectée par les formules magiques habituelles. On dit qu'il existe une autre version du sortilège qui permet de rendre vulnérables les âmes les plus puissantes. Je ne connais pas cette version, mais je pense qu'elle a été étudiée par Tonam et Tamua. Ok. Le chaman Surit Vana a évoqué d'anciens manuscrits que le sorcier disparu aurait laissé derrière lui. Il serait bon que tu ailles le voir à l'infirmerie du village de Pandada. Il pourra probablement te mettre sur la piste des écrits de Tonam. Ok. Donc ça, c'est la suite de la quête. Mais il est déjà un peu tard. Et ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes en live. Pour une simple quête qui nous a demandé du drop, de faire des donjons et compagnie. Vous étiez plus de 200 pour ce live et j'en suis très contente. Je vais m'arrêter là pour ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Je vous tiens très vite au courant puisque bientôt popera une programmation à l'ancienne. Pour ceux qui ont connu, les anciens savent. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Ciao, bye bye.